Bien, bonjour à tous. Voilà, on se retrouve vers la fin de cette préparation, de ce défi, hein, ce 21 km avec 800 mètres de dénivelé, un trail minimaliste que je vous souhaite faire, donc pieds nus, à jeun, après avoir eu une alimentation cétogène, c'est-à-dire très pauvre en glucides, et avec une petite préparation, et bien sûr sans ravitaillement, juste un peu d'eau sur place. Alors je vais faire un petit bilan de ma préparation, de savoir où j'en suis 15 jours avant ce trail. Ça sera ma dernière vidéo avant l'épreuve. Vous avez compris pourquoi je cours pieds nus, quel est l'intérêt mécanique, quel est l'intérêt aussi, on va dire, vitaliste, hein, puisqu'on est au contact des éléments naturels, il y a une négativation, enfin il y a plein d'avantages. Et j'ai pris ça comme une expérience et je vais vous faire partager un petit peu les fruits de cette expérience si vous souhaitez vous lancer dans ce type de défi. C'est intéressant sur le plan de l'alimentation, sur le plan des effets physiologiques et voir quelles ont été mes transformations, mes difficultés, mes adaptations en fait pour cette épreuve. Alors après un mois et demi de préparation, mon état général dans un premier temps, il est à un niveau où je suis relativement fatigué, c'est-à-dire que je cumule 3 entraînements par semaine assez intense, hein. Je suis obligé de puiser un petit peu dans mes ressources parce que l'adaptation doit se faire rapidement et je ne suis pas dans une morphologie, dans un état qui me permet d'être très bon très vite en endurance. J'ai eu beaucoup d'habitude de faire beaucoup de musculation, d'entraînement physique qui stimule une musculature de type 2, hein, une musculation plutôt rapide pour des sports explosifs. Alors j'ai des bases d'endurance bien sûr, mais pour des épreuves qui dépassent 1h30, 2h d'endurance, j'ai jamais fait ça et j'avoue que c'est un petit peu difficile. Alors bien sûr je suis un peu fatigué, mais ça c'est normal, il faut que je me repose maintenant et que je refasse de l'influx nerveux, bien que je dois aller chercher maintenant des épreuves au-delà de 16-17 km, hein, au moins une fois avant l'épreuve de 21 km, chose que je n'ai pas encore faite. Alors j'ai perdu à peu près 1,5 kg sans modifier beaucoup mon alimentation, quasiment pas. J'ai supprimé un tout petit peu de sucre, mis un petit peu plus de graisse et de protéines sous forme de compléments alimentaires. J'ai perdu 1,5 kg, ce qui est normal vis-à-vis de la dépense énergétique liée à l'entraînement qui a augmenté. Alors sur le plan alimentaire justement, donc vous avez vu, hein, j'ai pas vraiment fait de grands changements par rapport à ce que je faisais habituellement, si ce n'est supprimer 2-3 petits glucides par là, par-ci, par-là. Donc je n'ai quasiment aucun glucide dans mon alimentation, si ce n'est occasionnellement lorsque je suis invité, ou voilà, sous forme de dessert, une fois tous les 10 jours, toutes les semaines. Voilà, je garde bien sûr un apport, on va dire, de 5-10% de sucre, hein, quand même dans mon alimentation. Le reste, c'est des protéines. J'en ai rajouté sous forme de complément alimentaire, hein, vous avez vu dans les autres vidéos. Alors par rapport au complément alimentaire, j'ai pris un peu d'isolate, de whey, un peu de collagène, mais un jour sur deux, surtout après les entraînements. Sinon, j'ai tendance à les oublier quand je ne m'entraîne pas. J'ai cherché un peu des acides gras à chaîne moyenne. J'ai rajouté du mascarpone dans tous mes plats, enfin à la fin de mes repas du soir, de la purée de noisettes, ça c'est plutôt des acides gras à chaîne longue. J'ai rajouté un peu d'huile de coco par-ci par-là, pas beaucoup plus. Sinon mes repas, hein, pour vous décrire un repas classique dans ma préparation, une journée classique, c'est petit déjeuner à jeun les jours où j'allais m'entraîner le matin, c'est-à-dire 3 fois par semaine, donc 3-4 jours par semaine, pas de petit déjeuner. Sinon les 2-3 autres fois c'était des œufs, hein. Une fois de temps en temps, une fois dans tous les mois on va dire, j'ai fait un petit déjeuner avec un morceau de pain. Et sinon, mes plats, mes repas, c'est des crudités, en rajoutant un peu d'avocat, d'oléagineux, de petits poissons gras, associés à soit un peu de viande, soit un peu de poisson, de qualité, hein, bien sûr. Et occasionnellement, toujours un morceau de fromage dans la journée, voilà, un petit morceau, pas grand-chose. Du mascarpone le soir en plus, en dessert. Sur le plan maintenant de l'entraînement, alors je me suis heurté à certaines difficultés, je suis encore dans ces difficultés là. Bien sûr j'ai respecté le programme de ma coach Annick, hein, que vous avez découvert, hein. Donc une séance de fractionnés par semaine, très difficile d'ailleurs, hein. Sont de plus en plus difficiles ces séances, les fractionnés longs j'ai pas l'habitude, hein, courir à VMA pendant 400 mètres ou proche de VMA pendant 400 mètres fractionnés avec un
tiers du temps de pratique de repos, c'est pas évident. Ça fait très vite monter l'acide lactique. Ensuite, une séance au seuil, c'est-à-dire à une allure moyenne où je suis légèrement essoufflé, hein. Donc ça, c'est des séances plutôt longues. Pour l'instant, j'ai pas dépassé 1h40 d'effort. Je suis limité encore par la saturation au niveau musculaire, les efforts répétés sur le plan musculaire au niveau cuisse. Et surtout dans les montées, hein, je trouve que le dénivelé, c'est vraiment la grande difficulté, en plus de la durée de l'effort pour moi. Et je suis limité aussi au niveau de la musculature des mollets. Alors ça commence à aller beaucoup mieux. Je pense que j'arriverai à tenir les 21 km sans trop de souffrance au niveau musculature, talon d'Achille, mollet. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu difficile. Et une séance donc de régulier pendant 1 heure avec des petites accélérations en montée, un peu de fartlek, des choses comme ça pour finir la semaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je vous dis, j'ai encore des difficultés vraiment sur la répétition des montées où j'ai l'impression de faire de l'acide lactique. Je ne sais pas si c'est lié à mon habitude de congestionner rapidement lié à la musculation, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. La deuxième difficulté, c'est sur les descentes. Vous allez voir dans les images que ce n'est pas évident. J'ai rencontré des trains très, très glissants. Il y a beaucoup de frottements dans les descentes. Il y a beaucoup de petits pas à faire avec des terrains qui sont un peu accidentés dans le coin. Et heureusement, je ne me suis pas blessé. Hein. Bien sûr, j'ai fait attention, mais je sens que je suis limité en vitesse dans les descentes. Ce n'est pas un moment vraiment important de récupération comme ça peut l'être en trail. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire. Par contre, ce qui est positif, c'est que je ne me suis pas blessé. Certaines autres années, comme vous le découvrez sur les images, j'ai eu des blessures hein, sur le gros orteil en général. Hein, c'est là où on se blesse. Alors j'ai eu des coups, hein, des blessures de type griffure, des choses comme ça, des petites peaux arrachées, mais rien n'y est important. Ça ne m'a pas limité dans ma préparation. Je touche du bois. J'espère que dans 15 jours, ça va être le cas encore. Niveau inflammation, pas de grosses inflammations particulières. La petite inflammation que j'avais sur le début de l'entraînement sur l'orteil est passé. Le tendon d'Achille devient un petit peu, il y a une petite tendinite qui s'est réveillée, mais elle commence à s'estomper, donc ça ne m'a pas limité. Elle passe très vite, elle ne me gêne pas. Alors sur un plan psycho-émotionnel, hein, pour ceux qui connaissent ce décodage, cette tendinite, elle est liée à une projection dans le futur, à savoir si peut-être que j'ai des doutes sur ma capacité à réaliser ce défi. Voilà, une petite dévalorisation sportive liée à la capacité à courir, surtout dans les côtes, hein. Et c'est ça qui me pose problème. Mais j'arrive à prendre un peu de recul et je pense que ça ne va pas trop me déranger. Mon ménisque qui est lésionné, hein, comme je vous l'avais dit en début, j'ai une lésion médiscale, n'a absolument pas bougé, aucune douleur du genou, absolument pas limitant. Alors c'est peut-être dû vraiment à la course médio-pied, hein, qui est une course très amortissante. Il n'y a pas eu de gros choc, tout se passe très bien à ce niveau-là. Le besoin de boire pendant la course, alors cette chose n'est pas venue beaucoup parce que je n'ai pas dépassé 1h40 d'effort, donc là je pouvais me passer largement de boisson sans souci, surtout qu'il n'a pas fait très chaud. Là les derniers jours j'ai fait un 14 km avec beaucoup de chaleur et ça a tenu. Ça va, mais je ne sais pas au-delà de 20 km ce que ça peut donner. Donc de toute façon, j'aurai un ravitaillement d'eau, enfin c'est pas un ravitaillement, hein, c'est je vais trouver une source, je pense, une rivière où je boirai hein, l'eau de la rivière. Donc avec une fois de la boisson, même s'il fait très chaud, je pense que j'y arriverai. Pour finir, mes pieds, hein, la corne de mes pieds, comme vous allez voir, c'est bien adapté, elle devient beaucoup plus résistante. J'ai percuté plusieurs fois des racines, des bouts de bois assez durs. Elle ne s'est pas déchirée, il y a eu quelques petites lésions de brûlure liées aux descentes, mais ça se reconstruit très vite. Et là, j'ai une corne qui me permet de passer quasiment partout, comme vous voyez, sur les cailloux où je ne pouvais pas courir au début, il y a un mois et demi. Maintenant, je peux courir et j'en suis presque au niveau d'une fin d'été. Une fin d'été où je peux aller partout, même dans des cols, des Pyrénées, dans des éboulis de pierre, comme vous voyez sur les images. Là, c'est des images de Gavarnie, hein, où j'y suis monté, c'est 6 km de montée, 6 km de descente, en courant, sans souci, en fin de l'été, il y a 2 ans. Et vous voyez qu'à la fin de l'été, la corne peut s'adapter à toutes les surfaces les plus accidentées, des cailloux les plus pointus. Tout est bien en place et j'en suis quasiment à ce niveau-là. Voilà, maintenant, il ne faut pas se prendre une racine à pleine vitesse, sinon, bien sûr, la peau s'en va. On peut courir avec une petite plaie, mais il ne faut pas que la douleur soit trop forte, bien sûr. Alors,
Le bilan de tout ça, c'est que pour l'instant, je pense pas encore prêt. Alors, il me reste 15 jours. J'appréhende un petit peu parce que le dénivelé me fait un peu peur. Les 21 km, ça fait plus de 2h20 d'effort, je pense. Je sais pas si je vais y arriver. Je vous le dis tout comme ça, hein, voilà. Mais je compte sur la motivation, je compte sur le soutien de ma coach qui courra avec moi, je pense. Et puis, 2-3 amis, ceux qui m'attendront à l'arrivée. Et puis, il y a même les journalistes qui s'en mêlent. Donc, j'ai intérêt à y arriver, hein, je veux dire. Après, si j'y arrive pas, je le prendrai comme ça. J'aurais fait mon expérience, mais je vais aller au bout de mes limites et respecter vraiment le plan du début, c'est-à-dire ne pas me suralimenter en glucides, hein, pas du tout. Je vais continuer au contraire d'aller vers plus de cétogène maintenant à partir de cette quinzaine, être un peu plus respectueux encore, à diminuer un peu les sucres, augmenter un peu les graisses. Bien sûr, j'ai pris du plaisir à courir dans la nature pieds nus, torse nu, vraiment en symbiose, hein, ce qu'on appelle le bain d'air, le bain ionisant, le contact négativant à la terre. Il y a d'énormes avantages à courir pieds nus. C'est une sensation de légèreté, de vie, hein, qui nous envahit. Et j'espère que cette expérience va vous donner envie d'aller expérimenter la course pieds nus dans la nature le plus minimaliste possible. Hein. Voilà, notre corps est capable de ces adaptations-là. Alors, la prochaine vidéo, ce sera le jour J, la course. J'espère qu'on aura quelques images en direct. Hein. J'ai des amis qui viendront me filmer. Je ne vais pas m'embêter moi à me filmer pendant la course. Donc, je compte sur eux pour que vous ayez des images, voir l'évolution, comment je réagis pendant cette épreuve-là, et j'espère bien sûr y arriver. Voilà, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo, hein, qui sera la vidéo de ce défi réalisé, je l'espère, avec brio le jour de mes 50 ans, le 27 juin. Voilà, je vous dis donc à très vite.